Voilà, donc ce que je vais te propose, donc c'est qu'on fasse une petite partie que je vais semi-guider là pendant une vingtaine de minutes avec des questions qu'on a préparées avec mes collègues. Et puis après, il y aura à peu près une vingtaine de minutes d'échange libre avec le public. Donc voilà, vous pouvez malgré tout envoyer vos questions dans le chat si vous en avez, préventivement. Et puis même, ça peut permettre de fluidifier l'interaction. Voilà. Vous pouvez aussi prendre la parole, hein. L'objectif en petit comité, c'est que tout le monde se sente à l'aise. Voilà, donc ce que je vais vous demander, c'est de faire un petit tour de table. Et de vous présenter donc le projet sur lequel vous travaillez et quel statut, enfin quelle mission vous avez dans le programme expérience et cognition. Donc je vous laisse faire ce petit tour de table. Ça doit durer à peu près une trentaine de secondes par personne. Ah, okay, vous voulez les diapos ou pas du coup? Si vous voulez, si vous avez préparé quelque chose, moi je prends le temps. Du coup, bonsoir, moi c'est Altina et je suis actuellement doctorante en psychologie cognitive au sein de l'équipe d'expérience et cognition. Pour vous parler un peu de mon parcours, j'ai une licence en psychologie et un master en psychologie cognitive. Et c'était pendant mon master 1 que j'ai d'abord intégré l'équipe pour un stage porté par l'université Gustave Eiffel, qui collaborait avec la SNCF et Neurospin du CEA. C'était un stage qui portait sur les aides à la planification d'itinéraire. L'objectif de ce premier stage, du coup, c'était d'examiner l'influence des représentations statiques de la région, notamment du schéma de transport de l'Île-de-France, sur les représentations mentales que les citoyens se construisent de leur région. Et ensuite, pour mon stage de Master 2, j'ai été accueillie directement par la SNCF. Et cette fois-ci, c'était pour travailler sur les assistants de mobilité, qui sont un format d'aide à la planification d'itinéraire plus dynamique que les schémas. Et l'objectif de ce deuxième stage, c'était d'examiner comment les informations présentées dans les assistants influencent les choix de route des individus et aussi leur capacité à construire une représentation du réseau de transport. Les deux stages impliquaient du coup une méthodologie expérimentale et à chaque fois j'ai pu faire une veille bibliographique, formuler des hypothèses, opérationnaliser les variables, mettre en place un protocole expérimental, recueillir les données et les analyser. Et en ce moment, je travaille sur la rédaction des papiers pour communiquer les résultats des deux stages. Et sinon, actuellement, ma thèse fait suite à ces deux stages et je travaille toujours sur les assistants de mobilité. Le but cette fois-ci, c'est d'améliorer les assistants de mobilité pour mieux accompagner les voyageurs lors de leur déplacement dans les réseaux, mais aussi pour le considérer comme un outil qui permet de gérer le flux dans les réseaux de transport. Voilà, pour moi. Très bien, merci. Du coup, bonsoir à tous. Donc, moi, je m'appelle Clémentine Pignat et je suis actuellement ingénieure de recherche et j'ai fait mon stage au sein de cette équipe. Donc, pour vous parler rapidement de mon parcours, j'ai obtenu deux licences STAPS à l'Université de Montpellier et ensuite, je me suis orientée dans Master Ingénierie et Sciences du Mouvement Humain qui était dispensé à l'UFR STAPS de l'Université Paris-Saclay. Au cours de ce master, j'ai réalisé un stage de 6 mois en master 1, donc ça a été ma première vraie expérience professionnelle. Et ensuite, j'ai réalisé en master 2 mon stage de fin d'études au sein du programme expérience et cognition donc de la SNCF, qui a duré également 6 mois. Donc, concrètement, dans ce stage, j'ai travaillé sur l'impact des aménagements bagages sur les oublis bagages à bord des trains grandes lignes. Ce stage y constituait le début du projet bagage et donc il était très exploratoire. Donc en fait, on est parti du constat que il y avait des procédures bagages abandonnés qui étaient déclenchées chaque jour et que ces procédures elles étaient coûteuses à la SNCF, donc en termes d'argent et également en termes de temps puisque ça mettait les trains en retard et donc les voyageurs en retard. Donc comme les oublis bagages c'était néfaste pour SNCF, il fallait trouver des leviers qui permettait de diminuer les oublis bagages et donc de limiter les procédures. Donc, au cours de mon stage, au début, j'ai passé plusieurs mois sur la bibliographie, donc pour essayer d'identifier des facteurs qui perturbaient la mémoire et qui pouvaient favoriser les oublis.
et dans le but en fait de quantifier leur impact sur les oublis bagages pour, à plus long terme, peut-être repenser les aménagements des bagages à bord des trains grandes lignes. Donc une fois que j'avais fait la bibliographie et que j'avais identifié certains facteurs, bah, on a monté un protocole et une expérience en ligne. Donc j'ai utilisé le logiciel Gorilla. Et ensuite, bah, comme dans toutes les études, j'ai traité et analysé les données pour sortir des résultats. Donc, durant mon stage, j'étais pas mal autonome. Et en fait, ce qui était très bien, c'est que j'ai réalisé vraiment toutes les étapes dans le travail de recherche. Et ça, c'est vraiment plaisant et ça apprend bien bah, ce métier, je trouve. Et donc, à la suite du stage, j'avais une possibilité de continuer en thèse. Comme ce n'était pas directement après le stage, ils m'ont proposé un contrat en intérim en tant qu'ingénieur de recherche. Et donc, cette fois-ci, en tant qu'ingénieur de recherche, je ne suis plus sur un seul projet. Je travaille sur plusieurs projets à la fois. Je suis en appui d'autres personnes. Et donc, ces projets, ils sont différents. Donc, je travaille avec plus de personnes. Et ça vient, c'est un peu différent de mon stage, puisque dans mon stage, j'étais vraiment à 100% sur le même projet. Voilà, je laisse la parole à Daniel. Du coup, bonsoir à tous et à toutes. Moi, je suis Daniel Schreiber-Hofer, je viens de l'Autriche et du coup, mon parcours est un peu particulier parce que du coup, j'ai fait ma licence en psychologie quand j'étais encore à Vienne et après, je suis venu à Paris pour faire un master en économie et psychologie, donc les deux en même temps. Et c'était en fait une collaboration entre plusieurs universités, notamment Sorbonne Panthéon, donc Paris 1, l'Université de Paris, qui était encore à Paris Descartes, et aussi PSE, c'est la Paris School of Economics. Du coup, c'était les trois universités où j'ai fait mon master. Et je suis arrivé à la SNCF d'abord par un partenariat entre PSE, donc une de mes écoles, et la SNCF. Du coup, j'ai en fait fait deux stages. Un premier stage qui était chez PSE, et là, en ce moment, j'ai fait mon deuxième stage qui est encadré directement par la SNCF. J'ai travaillé pendant les deux stages sur un seul projet, c'est le choix modal. Et le choix modal, en fait, se pose des questions sur quels sont les facteurs qui ont une influence sur le choix d'un mode de transport. Et comme vous pouvez imaginer, c'est en fait un sujet très, très vaste. Du coup, il y a millions de facteurs qui ont une influence. Du coup, c'est très important, c'est très bien pour ces projets-là que j'ai un peu une perspective de multidisciplinaire ou pluridisciplinaire parce que j'ai la côté économique et la côté psychologique. Pour la première partie de ce projet-là, on avait vraiment plutôt une perspective économique à la base. Mais du coup, pour l'année prochaine, où je vais probablement passer au stade d'une aussi comme Clémentine d'une ingénieure de recherche, on va plutôt travailler sur l'aspect psychologique. Et du coup, pendant mon stage, j'ai été aussi très autonome. J'ai fait aussi toutes les étapes d'un projet de recherche, du coup, la revue de la littérature. Après, mettre en place l'expérience en ligne et travailler sur la méthodologie avec une perspective économique et psychologique à la fois. Et après, l'analyse des données statistiques, la rédaction de mémoire, etc., etc. Et du coup, c'est tout pour moi. Et je vais passer la parole à Luc, du coup. Alors, bonsoir tout le monde. Du coup, moi, je n'ai pas de diapo parce que j'ai un peu tapé l'incruste. Et bon, du coup, moi, je suis alternant depuis septembre. Donc, moi, j'ai un profil vraiment sciences cognitives. À savoir que j'ai fait la licence de sciences cognitives à Lyon 2, donc qui était dans un UFR de psychologie. Donc, c'était très orienté psychologie cognitive et psychologie expérimentale. Et j'ai choisi le master de sciences cognitives à Nancy parce que c'était plus orienté sciences du numérique avec une approche plus mathématique. Et du coup, je suis rentré cette année à la SNCF au programme Expérience et Cognition en alternance. Donc ça fait, là c'est ma cinquième semaine, parce que j'ai déjà alterné avec des cours. Et du coup, l'intitulé du poste, c'est chargé d'études data et cognition. Donc pareil, je suis amené on a choisi quand même une branche de recherche sur laquelle je vais plus travailler.
Et sinon, je suis amené à réaliser des analyses de données variées pendant tout le long de l'année. Et aussi, bah, du coup, à développer mes propres expériences en fonction des projets qui sont mis en place avec les différents partenaires. Donc pour l'instant, on est un peu sur le côté deadline, parce qu'il y a un projet francilien où il doit être opérationnel assez vite. Et voilà, quand on avancera un peu plus, j'aurai peut-être un peu plus de temps pour être un peu plus, comment dire, pour être plus, pas autonome, mais plus choisir les expériences sur lesquelles je veux travailler, quoi. Avoir plus de choix. Et puis voilà. D'accord, merci. Alors, n'hésitez pas, le chat, si vous avez déjà des questions à poser donc à nos quatre invités. Bon, moi, j'ai quelques questions. Après, ce n'est pas évident parce que vous avez déjà bien, bien brassé large sur ce que vous faites un peu au quotidien. Déjà, peut-être première question, parce que vous venez pas tous en fait des sciences de la cognition, c'est en quoi pour vous. En quoi pour vous vous mobilisez des compétences ou des connaissances qui appartiennent au champ des sciences cognitives dans vos projets de recherche au quotidien? Je sais pas si. Alors, c'est une question que j'adresse aussi à ceux qui n'ont pas une formation directement liée aux sciences cognitives. En quoi elles sont pertinentes pour le projet que vous menez au quotidien? Moi, pour le coup, j'ai une formation très sciences cognitives. Et puis, bah, je pense que c'est comme l'a dit Simonet dans sa présentation, hein, c'est vraiment de voir la cognition comme une expérience vécue et en fait de prendre de en compte dans sa globalité. Donc, je pense qu'avec cette définition de la cognition, il y a besoin de gens de différents horizons et pour pouvoir croiser les points de vue en fonction des études. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Oui, je peux. Oui, le public peut interagir, oui. Alors, Daniel, si je ne me trompe pas, tu as dit que tu fais un master aussi en économie et avec les sciences cognitives, c'est ça? Du coup, moi, j'ai déjà fini mon master, mais c'était un master en économie et psychologie, Ah. donc le deux en même temps. Okay. Et comment est-ce qu'on fait pour lier l'économie à ça, La à la base. psychologie et les sciences cognitives? C'est une question très vaste, je dirais, parce que peut-être on peut penser au début que les deux sont pas vraiment liés l'un à l'autre, mais je peux te donner un exemplaire sur le projet où je travaille. Du coup, pour le choix d'un mode de transport, par exemple, il y a la côté très économique, du coup, le prix d'un mode de transport qui a une forte influence sur ton choix. Mais à l'autre côté, il y a tous les autres facteurs qui sont plutôt côté sciences cognitives. Par exemple, si tu aimes bien l'intérieur de ta voiture ou si tu préfères avoir un mode de transport qui est plus vite ou moins vite. Il y a toute la côté personnel aussi sur ta perception. Peut-être que tu as des attitudes sur certains modes qui ont une influence sur ton choix. Du coup, je dirais que le choix modal est un bon exemplaire pour montrer que. C'est peut-être pas la même question qu'on se pose, mais c'est la même idée. Il y a des facteurs qui sont plus économiques ou plus psychologiques qui ont influence sur ton choix. Et après, il y a plusieurs perspectives, comment tu peux analyser ce choix-là. C'est ça, en fait. Je ne sais pas si D'accord. ça répond bien à ta question ou si Okay. tu as des questions supplémentaires. Non, c'est que au début, je voyais pas trop comment lier, mais là, oui, je vois mieux. Merci, ok. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou d'autres questions là dans le public? Alors, bon, je vais me lancer. J'ai une autre question. Je me demandais si pour vous, il y avait une différence entre faire de la recherche appliquée à des problématiques en entreprise, ou en tout cas appliquée à des projets de recherche appliqués, et de faire de la recherche plutôt à visée fondamentale. Dans des laboratoires publics. Alors moi, je peux réagir là-dessus parce que je me rappelle pendant mon entretien d'embauche, c'était en fait une question que Simonet m'avait posée.
Et il demandait si, en fait, est-ce qu'on peut vraiment faire de la recherche en ayant, sans avoir un intérêt vraiment pratique. Et je pense que là-dessus, en fait, c'est un peu un continuum, en fait, que la recherche, elle n'est jamais complètement pratique ou complètement fondamentale et que ça varie un peu entre les deux, quoi. Parce que, je veux dire, les gens qui travaillent, par exemple, dans ce programme, ils ont tous une expertise fondamentale. Et un point de vue, mais du coup, après, pour le coup, la vie, comme c'est des projets pour une entreprise, ça devient très pratique. Mais je pense que oui, un peu des deux, et que même à l'inverse, une question très fondamentale derrière, là, même si c'est pas le but de l'expérience première, mais derrière, ça a quand même, a fortiori, intérêt à dériver vers des choses pratiques, je pense. D'accord, merci. Est-ce que c'est un avis que vous partagez, Daniel, Clémentine, Archana? Oui. Il n'y a pas d'autres, pour vous, il n'y a pas d'autres points de divergence. Est-ce que le choix, justement, de s'orienter vers des stages et vers même une professionnalisation dans ce secteur d'activité là, et plutôt que de la recherche appliquée en sciences fondamentales, comment vous le justifiez, enfin, pourquoi vous êtes tourné vers ce type de recherche-là? Moi, personnellement, je dirais que la grande différence est que... Bah, je dirais personnellement que c'est plus facile de faire la recherche qui n'est pas appliquée. Du coup. Mon expérience personnelle était ça, parce que je pensais que je devais, moi, prendre en compte de beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs qui sont dans la réalité, qui existent dans la réalité. C'était vraiment dans le laboratoire un peu plus... On peut plus facile de gérer tous les facteurs qui ont une influence, mais en même temps, on perd un peu, pour moi, l'intérêt, parce que du coup, je me suis vraiment demandé, bah, est-ce que ça sert à quelque chose ce que je fais là? Est-ce que ça sert, les résultats que je vais avoir, ça sert à quelque chose ou pas? Et du coup, c'est ça, en fait, qui m'intéresse personnellement, dans la recherche appliquée, parce que je veux vraiment voir l'intérêt, je peux voir que ce que je fais va potentiellement avoir une influence dans la vraie vie. Et c'est d'ailleurs aussi beaucoup plus intéressant parce que je dois vraiment prendre en compte tous les contextes, tous les facteurs. Et c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué, mais aussi beaucoup plus intéressant. Merci, oui. C'est assez intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, oui, je pense que dans une certaine mesure, méthodologiquement, ça doit être plus compliqué à certains égards de faire de la recherche appliquée que de la recherche fondamentale. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou peut-être ça inspire d'autres questions ou d'autres remarques? Bah, peut-être du coup pour rebondir sur ce que Daniel disait, c'est vrai que enfin, en France par exemple, surtout en France, la recherche fondamentale c'est quand même quelque chose d'universitaire, donc il y a moins cette contrainte de temps. Du coup, je suppose qu'il y a aussi parce qu'il voilà, il faut les financements et tout, mais je veux dire, enfin moi du haut de mes 5 semaines d'expérience, je peux dire que, en tout cas, voilà, là je suis revenu. on m'a tout de suite dit, voilà, là, il y a le projet qui a démarré, il faut que l'expert soit bouclé dans 3 semaines, etc. Et du coup, enfin, il y a peut-être un peu moins de temps de se poser toutes les questions, quoi. Peut-être qu'effectivement, le processus aussi de production de connaissances est moins orienté vers le court terme. C'est ça, ouais. Ok. D'autres réactions? Alors, je vais peut-être vous demander de me dire justement quelles compétences pour vous devraient développer les étudiants qui s'intéressent à des profils de poste un peu comme les vôtres. Quelles compétences type hard skills et quelles compétences peut-être un petit peu plus comportementales ils devraient développer? Bon, moi, je peux dire que dans mon cas, là, c'est vraiment pratique de savoir comment utiliser des outils de récolte de données. Parce que c'est très important. Du coup, même si on n'a pas utilisé tous les récoltes de données, parce que c'est presque impossible, ça aide déjà d'avoir une première expérience, même avec un seul outil. Et aussi de savoir comment analyser les données, c'est très important. Parce que ça prend beaucoup de temps. Et si on n'a pas vraiment fait d'expérience sans ça, je pense que c'est très difficile d'essayer de renseigner après, je veux dire. Du coup, moi, ça m'a clairement aidé que j'avais fait des expériences avec Stata, R, SPSS, oui, pour
d'avoir un peu une vue globale de toutes les données, toutes les études qu'on utilise dans la recherche. Donc SPSS Tata pour le traitement de données, mais pour le recueil de données, donc je vous ai entendu citer quelques logiciels que je ne connaissais pas. Vous avez peut-être des conseils particuliers? Pour la récolte des données? Oui, pour la récolte des données, oui. Moi, j'ai utilisé Lime Survey, et là, en ce moment, je l'utilise l'Advanced, mais il y en a vraiment assez, du coup, je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'il y en a un qui est le meilleur. Je sais si on fait des expériences un peu plus compliquées, c'est bien de aussi maîtriser Python, du codage et tout. Mais je ne sais pas si vous avez de... Il y a aussi Gorilla qui a été utilisé par l'équipe pendant un moment. C'est en ligne et c'est très user-friendly aussi. Voilà. Je pense qu'il faut surtout... ce qui est important, en fait, ce n'est pas tant l'outil, c'est surtout de comprendre la logique qu'il y a derrière, qui est un peu la même sur tous les outils. Et d'un peu de hiérarchiser la conception de sa tâche. Et après, c'est sûr que si vous savez coder, c'est toujours un plus, quoi, notamment en Python. Après, je sais qu'on a beaucoup d'autres qui utilisent Java aussi. R aussi, du coup, pour la mise de données, ouais, c'est toujours un plus de savoir coder, ça, c'est sûr. Ouais. D'accord. D'autres réactions, outils que vous conseilleriez, que vous utilisez dans le quotidien, même pour de la gestion de projet Pour la gestion de projet, il n'y a pas forcément... Enfin, je sais que moi, dans mon master sciences cognitives à Nancy, il y a beaucoup d'autres gens en alternance qui font plus de UX design, des trucs comme ça. Et là-dessus, ouais, eux, ils sont plus sur les langages UML ou vraiment de la modélisation de tâches ou de planning. Et en tout cas, bah, ici, il y a un peu moins ça. Ok, c'est beaucoup de la débrouille, en fait. Bah, pas de débrouille non plus, mais je veux dire, c'est des outils plus classiques où on a, comme on n'est pas une équipe non plus très grande, on arrive à communiquer avec les espaces de partage en ligne et puis les channels Teams et tout ça, quoi. Ok. Et donc, Maxime s'interroge de savoir si vous passez beaucoup de temps devant les écrans. Je crois qu'il a envie de savoir si vous passez votre temps à faire des passations ou si vous êtes devant votre ordinateur à lire de la littérature et traiter des données. Il y a quand même pas mal de temps devant l'écran. Mais par exemple, moi, ce matin, là, je suis allé prendre des vidéos en gare. Pendant 2-3 heures, j'étais baladé en gare, on va dire. Mais soit devant les écrans, soit en gare. Ouais. Mais après, oui, vu qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont sur les écrans. Enfin, maintenant, la vidéo, on trouve tout sur les ordi. Toutes les expés en ligne, bah, vu que c'est en ligne, c'est pareil, il faut coder sur les ordi. Traitement de données, bon, bah, encore une fois, c'est sur l'ordinateur. Donc forcément, oui, après, je pense que du moment qu'on fait de la recherche, on passe forcément beaucoup de temps sur les ordinateurs. Mais après, il y a aussi d'autres types d'expériences où là, on fait vraiment plus du terrain. On va utiliser d'autres outils. Et là, du coup, bah, on passe beaucoup moins de temps pour récolter les données sur notre. D'accord. Et puis, on a des super stations avec des grands écrans d'ordi. Quand on est à tu apprécies l'infrastructure dans laquelle tu es, c'est ça? Oui, ça va. C'est la première étape pour bien travailler. Ok, alors est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau du chat? Pour l'instant, il n'y en a pas. La deuxième partie de ma question, c'était les compétences hein, peut-être un peu plus comportementales ou les compétences un peu transversales qu'il faut avoir, à votre avis, pour exercer ce type de poste. Bah déjà, être autonome quand même, enfin, savoir s'organiser, enfin, savoir ouais, vraiment être organisé, que ce soit pour gérer son planning, parce que souvent, bah, il y a des deadlines. Savoir communiquer, enfin, ne pas hésiter à partager avec les autres, parce que souvent, enfin, vu qu'on, enfin, dans l'équipe, on n'a pas tous les mêmes compétences. Donc, des fois, quand on a un problème, il ne faut vraiment pas hésiter
à aller en parler aux autres, parce qu'il y en a peut-être pour qui ce sera beaucoup plus évident de trouver une solution et du coup on perdra moins de temps. Après, je ne sais pas si vous avez d'autres. Une grosse différence avec la ressource. La communication. Le fait que chacun ait une compétence différente, ouais, et qu'on travaille à plusieurs sur les projets. C'est assez rare, malgré tout, dans le monde universitaire, où chacun a un peu son filon, et c'est ta recherche, et tu fais tout, en fait, de A à Z. Tu fais ta biblio, et après, tu conçois ton expé, après, tu la codes, et après, tu fais l'analyse, après avoir reçu tes participants. Et ici, en fait, souvent, c'est vrai qu'en fonction des capacités des uns et des autres, on mélange plus facilement des compétences. Enfin, c'est pas rare d'être à quatre sur une expé, quoi, en quelque sorte. Et en soi, c'est mieux, parce que quand on a chacun un peu nos points forts, on gagne du temps, en fait, à céder, et aussi on continue à apprendre, et du coup il faut être ouvert à, enfin, faut vouloir continuer à apprendre des nouveaux logiciels. Vu que c'est une équipe pluridisciplinaire, ben, on apprend forcément un peu les matières de nos collègues, etc. Ouais, moi je dirais faut être curieux un peu au-delà de son domaine de compétences, sans voilà, se dire je vais devoir faire des trucs que je connais rien du tout, mais il faut avoir l'envie de s'intéresser en tout cas à ce qui sort de son cadre. D'accord, bon, c'est une belle revue. Est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau du public ? Non. Ok, alors je continue dans ce cas. Alors, comme vous êtes un salon de juniors, je me demandais si vous aviez, donc en tant que personnes qui viennent de commencer un petit peu la vie active, ou pour ceux encore qui sont encore en alternance, qui ont un statut un peu de stagiaire, est-ce que vous avez des conseils à donner pour ceux qui cherchent leur voie en sciences cognitives, ou qui cherchent leur voie en tant que personnes qui sont à la fin de leur cursus d'études? Des conseils pour trouver un stage ou une alternance, ou des conseils généraux? Tu peux l'interpréter comme tu le sens, ouais. Tu peux donner des conseils généraux comme des conseils plus pratiques pour rechercher un stage. Parce que moi, je ne voulais jamais l'entendre quand j'étais encore étudiant. Mais c'est vraiment que LinkedIn aide énormément de trouver un job, un stage. Et moi, j'ai trouvé mon stage aussi sur LinkedIn. Du coup, c'est vraiment trop, trop, trop bien de trouver quelque chose dans la recherche. C'est trop bien pour trouver quelque chose là. Et ouais. C'est ça, c'est vraiment un conseil pratique, parce que moi je pensais pas, et j'ai juste passé 5 minutes sur LinkedIn, et après je trouvais ces postes là, et du coup oui. Sinon, moi je dirais aussi, au terme sujet, de vraiment rester flexible et ouvert au début, parce que parfois on a peut-être une idée d'un sujet, on se dit que bah, c'est pas si intéressant, ou ça me parle pas trop, mais en fait quand on les vit, on les fait vraiment, c'est quand même très intéressant. Du coup, ne pas se manifester trop sur un seul sujet au début, et peut-être rester vraiment ouvert, d'avoir une ouverture d'esprit sur plusieurs sujets et tout. Je pense aussi que ça aide au début, parce qu'on n'a pas trop de choix au début, je dirais. C'est un peu ouais. C'est un peu plus difficile, je dirais, sans expérience. Mais bon. Il faut vraiment faire une première expérience, et après, ça va mieux, on sait mieux ce qu'on veut, ce qu'on cherche, etc. Et puis, je pense qu'il faut aussi garder à l'esprit qu'en fait, un stage de fin d'études, ça n'affiche pas les choses non plus. C'est pas, pas parce que vous faites votre stage dans un domaine ou quelque part que vous allez faire ça toute votre vie. Donc, faut être consciencieux, mais il ne faut pas non plus trop se mettre la pression, comme disait David. Daniel, excuse-moi. c'est de trouver un domaine qui nous plaît, et puis justement, c'est plus fait pour nous donner une idée de ce que c'est que de figer les choses, quoi. Archana, Clémentine, vous voulez rebondir? Vous avez un conseil à donner? Moi, je dirais qu'au début de notre carrière, entre guillemets, je pense qu'il ne faut pas hésiter à tester des domaines qu'on ne connaît pas forcément. Enfin, ça revient un peu à ce que vous avez dit. Parce que ben, justement, je pense vraiment qu'il faut essayer pour voir vraiment ce que ça donne. Parce que je pense que déjà, un même domaine sous plusieurs entreprises, ben, ça ne va pas donner la même chose. Donc vraiment, n'hésitez pas
Même si au premier abord, ça ne paraît pas être le stage de votre vie ou le job de votre vie, n'hésitez pas, je pense, à y aller. Et après, un petit conseil. Non, j'ai rien de plus à rajouter à ce que vous avez dit. Alors, je pense que c'est un peu la même chose qu'en fait quand tu viens d'avoir ton bac et que tu ne sais pas trop quoi faire et que finalement c'est juste d'essayer de trouver un truc où tu sais que tu penses que ça va te plaire et après tu verras, c'est en le faisant que tu vas voir si c'est vraiment ce que tu as envie de faire. Après, c'est un peu comme ça que moi, je suis venue ici. Hein. J'ai découvert un peu un sujet un peu nouveau et j'ai trouvé que ça m'a plu et j'ai continué. Donc, il y a les deux côtés. Ils n'ont pas aimé ça et postulé sur un autre truc ou vous pouvez apprendre que ça vous intéresse vraiment. Et, Très bien. Alors moi, j'aimerais bien, alors même si vous l'avez un peu abordé évasivement, j'aimerais bien savoir ce que vous envisagez pour la suite. Du coup, pour moi, c'est un peu facile de répondre parce que je vais probablement, très très probablement, continuer de travailler sur les projets jusqu'à la fin de 2022. Et du coup, pour l'année prochaine, ça va être plutôt la perspective, la côté psychologique pour moi, sur le même projet, sur la même question. Et c'est une bonne question parce que pour après, je pense que j'aimerais bien rester dans le domaine de la recherche. Je me pose aussi des questions si je vais faire une thèse ou pas, mais c'est toujours une grande question. Ça dure longtemps. C'est un projet. Moi, j'ai un peu peur en fait. J'avoue que j'ai un peu peur de travailler sur un seul projet pendant 3-4 ans et tout, parce que j'aime bien changer des choses et tout. Donc, moi, je préfère vraiment de travailler, de travailler dans une entreprise, faire recherche, me convient beaucoup plus parce que c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus vite, beaucoup plus dynamique que de travailler à l'université. Mais du coup, je ne peux pas dire plus que l'année prochaine pour l'instant. Mais oui, c'est ça, de mon côté. Je ne sais pas si vous avez déjà... Oui, pour moi, du coup, je viens de commencer ma thèse et du coup, 3 ans, c'est plus un problème. mais oui, du coup, après, moi, personnellement, je vais rester dans l'appliqué, peut-être dans les transports, dans les sujets des transports en commun. Mais oui, ce sera surtout pour... Ce sera un appliqué pour l'entreprise, pour moi. Moi, du coup, donc là, je suis actuellement ingénieure de recherche pendant un an, donc jusqu'à septembre 2022. Et ensuite, peut-être que je ferai une thèse ici, peut-être pas. Donc, c'est un peu flou. Ça dépend. Tu vas aller où, là? Comment? Quoi, tu vas aller où? J'ai oublié qu'il y avait une cinquième personne dans votre... Avec une pression, hein, bien sûr. Et pour la suite, entre le fondamental et l'appliqué, 100% l'appliqué, c'est beaucoup plus concret. On voit les choses, on voit les changements. Les entreprises ont quand même une dynamique importante. Du coup, en entreprise. Mais toi, Luc? Je sais que tu viens d'arriver, hein, mais c'est... Ouais, moi, en fait, c'est une question que je ne me suis absolument pas posée. Moi, j'essaie de prendre les choses assez à moyen terme, enfin, à court moyen terme. Et du coup, là, je suis très content de ce que je fais cette année. Je sais que ça va me permettre d'engranger beaucoup plus de compétences que si j'étais seulement en cours et que je faisais un stage de fin d'études. Du coup, là, le but, c'est vraiment de m'intéresser un maximum autant à mes cours qu'au travail. De continuer à progresser, puis je verrai d'ici l'été prochain ce que je peux faire, ce qu'on propose. Très bien. Ok, alors on a une question dans le chat, enfin. Il y a une personne qui s'interroge sur les différences dans les rôles et les missions entre ingénieur de recherche, stagiaire, doctorant. Est-ce que vous avez l'impression de faire la même chose ou d'avoir vraiment un statut bien distinct qui correspond à des missions ou des manières de travailler bien distinctes? Je pense qu'on a un peu tous la même manière de travailler. Le seul truc qui va changer, c'est qu'un stagiaire et un
doctorants, ils vont vraiment se spécifier sur un sujet et ils vont faire un sujet et le traiter à fond. Et du coup, ils vont sortir à la suite de ça leur mémoire ou leur thèse. Qu'un ingénieur de recherche, on va faire exactement la même chose, mais sur plusieurs projets à la fois. Et je pense que c'est un peu la différence. Après, littéralement, vu que toi, pour l'instant, tu es sur un projet, je sais pas si... J'ai eu plusieurs projets, mais à la continuité les uns des autres, c'est un peu comme un stage, mais plus long, en fait. C'est la différence, je pense, la plus grande entre les deux, parce que sur le fond, c'est un peu... Oui, après, c'est enfin, juste pour en fait, apporter un bout de complément à ça, je pense que l'écart, c'est que lorsqu'on est ingénieur de recherche, entre guillemets, on va plutôt réaliser, on n'est pas obligé de définir, par exemple, les designs expérimentaux. Donc, il y a quelqu'un qui peut le produire, dans le concept, donc il s'est posé la question théorique, qui a pré-mâché, entre guillemets, un peu le travail, et derrière, du coup, on vient réaliser concrètement cette vision-là, donc, qui est plutôt celle, chez nous, on dirait du chef de projet, qui va porter du coup la vision scientifique, etc. Et après, tous les rôles en fait, qu'on peut trouver, alternants, stagiaires, doctorants, etc., ont en fait quelque chose d'assez proche dans la typologie de travail de celui d'un chef de projet, à la différence près que, évidemment, s'agissant d'un cœur de formation qui est en cours, on ne va pas attendre que la personne en question sache déjà tout faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre en faisant. Et donc, c'est un jeu d'itération entre les tuteurs et ses différents rôles pour que la personne derrière, une fois qu'elle a fini sa formation, soit en condition de pouvoir le faire en autonomie, en quelque sorte. Donc, ce qui veut dire vraiment, voilà, imaginez le chef de projet, c'est un peu l'équivalent de votre prof à l'université qui sait tout faire, mais qui n'a plus le temps de rien faire, en gros. Qui fait la paperasse, et donc il va dire ouais, il faudrait qu'on fasse de telle manière, et en fait il va le jeter sur la table, et après ça sera à charge soit de l'ingénieur de trouver la solution concrète pour réaliser ce qui lui a été demandé, soit du pauvre stagiaire alternant doctorant qui va dire bon, sympathique, on va faire comme ça, mais comment quoi, enfin, concrètement, comment on s'y prend, comment on le fait tourner et comment on arrive à partir de ça à obtenir des résultats. Donc, je pense que c'est plutôt là, c'est une question à la fois de périmètre. Dans un cas, on couvre tout. Dans d'autres cas, on couvre une partie du travail scientifique qui est réalisé. Et après, aussi d'intensité, entre guillemets, ou des capacités de réaliser la globalité du travail et du coup de l'expérience qu'on peut avoir. Je ne sais pas si c'est plus clair. Hein. Oui, c'est une réponse qui me semble très exhaustive de mon côté. Alors après, je ne sais pas si c'est partagé. Archana, ce sera la dernière question. Quelqu'un demande si tu peux nous dire un petit peu plus en quoi consiste ton doctorat, et d'ailleurs si tu peux ajouter peut-être quelques conseils ou quelques remarques sur la manière dont tu as eu ton financement, ça peut être intéressant pour tout le monde. Du coup, sur le sujet, pour le contenu de la thèse, c'est sur l'utilisation des assistants pour accompagner vos voyages dans la planification d'itinéraire et gérer le flux. Et sur ça, on va tester 4 grandes variables. Donc, d'abord, on va tester le format d'affichage des itinéraires. Donc, comment présenter les choix de route pour déplacer les gens vers des itinéraires un peu qui sont moins encombrés, avec moins d'influence. Et une fois que ça c'est fait, on va rajouter 3 autres variables une par une. D'abord, l'affluence des voyageurs à bord. Ensuite, les correspondances, la présentation des informations relatives aux correspondances. Et dernièrement, sur les perturbations du trafic. Donc, on va voir comment la rajout de ces informations peut faire basculer les choix des participants vers d'autres itinéraires dans le réseau. Et pour l'autre question sur le financement, c'est une thèse cifre, donc le financement c'est par les CNCF et il y a aussi la partie ANR. Oui. Je ne sais pas si c'est suffisant comme. Alors, effectivement, pour les cifres, il faut préparer un gros dossier peut-être. Et c'est pour cette demande de financement, tu as dû écrire un projet de recherche.
Oui, du coup, oui, il y avait un projet de recherche qu'on a dû écrire pour la CNCF qui a dû l'accepter. Ils ont eu un comité qui ont revu le projet et qui ont vu valider le projet. Et ensuite, il y avait un dossier pour la ANR aussi. Encore une fois, un projet de thèse et tous les documents comme le CV, enfin plein de petits trucs comme ça. Et ils devaient le valider aussi pour le financement. Ok, et ça a pris combien de temps à peu près pour que tu puisses... Ça a pris un moment. Ça a pris en tout à peu près... 6 mois, d'accord. 6 mois de préparation du projet ou après 6 mois d'attente quand tu as envoyé ton dossier à l'ANRT? Non, c'était 6 mois en tout à peu près. Ok. Bon, je pense que... Alors, on a un épisode qui est dédié à la préparation du doctorat dans la saison 1 du Salon des métiers que vous pouvez retrouver sur YouTube. Pour cet épisode, on va essayer de faire la même chose. Voilà. Vous pourrez retrouver tout ce qu'on vient de se dire en ligne. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les communiquer. On fera la transmission. Et si tout est bon pour le public et si tout est bon pour vous autour de cette table, et ben, pour moi, c'est parfait. Je vous remercie sincèrement de votre participation et des échanges riches que vous nous avez offerts ce soir. Merci à vous. Merci à vous d'avoir organisé ça. Et merci aux participants. Très bien, donc voilà, je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.